Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser le défi des 14 jours sur Fortnite Battle Royale où il faut danser devant différents sapins de Noël. Et il faut donc le faire devant 9 sapins de Noël. Donc le premier il est à Tilted Tower. Je pense que tout le monde connaît Tilted. Le deuxième, il est à Pleasant Park. Voilà, donc il est vraiment dans le parc. Et bien franchement, je pense que le fight, il va être quand même assez serré là-dedans. Ça va vraiment tirer de partout. Alors, lorsque vous cassez le sapin de Noël, je ne sais pas du tout ce qu'il se passe. Peut-être que ceux qui n'ont pas encore dansé devant vont se retrouver sans pouvoir faire le défi. On verra bien. Donc, comme d'habitude, les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous ne raterez aucune vidéo sur les défis de la semaine, sur l'étoile cachée, sur toutes les news de Fortnite Battle Royale. Et vous ne galérerez plus à faire vos défis. Donc, n'hésitez pas les gars, c'est gratuit, ça coûte rien et ça vous fera économiser du temps. Donc voilà, le troisième, comme je vous l'ai montré, il était au camp de Viking. Maintenant, le quatrième sapin de Noël, il est à Frosty Flights. Alors là, pareil, je pense que ça va tirer un petit peu de partout quand même. Donc, le sapin suivant, il est à Happy Hamlet. Franchement, ils sont quand même pas très compliqués à trouver. Ils sont vraiment au milieu de map et c'est à chaque fois dans les grandes villes. Ensuite, le sapin encore suivant, il est à Lucky Landing. Alors, certains sont quand même assez à côté, d'autres sont quand même assez éloignés. Bon, si vous voulez le faire assez rapidement, prenez les avions, ça ira quand même assez vite. Ensuite, il y en a encore un à Fatal Fields. Donc là, encore une fois, je pense que c'est une zone assez safe, on va dire. Il va y avoir quand même pas mal de gens vu qu'il y a le sapin de Noël. Mais une heure ou deux passé le défi, je pense que ça va quand même être assez simple. Ensuite, il y en a encore un à Salty Springs, voilà, comme vous le voyez là. Encore une fois, pas dur à trouver, il est au milieu de la map, c'est vraiment très très simple. Et le dernier, il est à Retail Row, au milieu de la map. Comme d'hab, franchement, il est à chaque fois au milieu, donc bon... Je pense que c'est le shoot assuré. Si vous voulez faire un max de kills, attendez que vos adversaires aillent sur le sapin, ils rushent le sapin et vous les tuez. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me péter cette barre de like, à vous abonner et activer les notifications, à partager la vidéo à vos potes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !